Bonjour la compagnie, voilà Choc Fury en direct de la nuque. Qu'est-ce que j'ai dit? Choc Barry? Choc Barry, Bonjour la compagnie, voilà Choc Fury en direct de la nuque de Choc Barry. Voilà, c'est mieux, c'est ce que je voulais faire. Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour. Bonjour. J'ai dit hello. Et de Chou Choc. Ah, coucou, coucou. Ou Choc Chou. Choc Chou, j'aime bien Choc Chou. Ou Choc Blackwood. Fury, Blackwood Fury. Blackwood Fury. Blackwood Fury. Alors, faites en sorte qu'un membre de votre équipe échappe aux fantômes pendant une chasse. Trouvez des preuves du paranormal avec un lecteur EMF. Nettoyez la pièce du fantôme avec un bâton d'encens. Et il ne semble répondre qu'aux personnes seules. Comme seuls et abandonnés, messieurs. Ah, alors, tac, tac. Touk, non. Tac, tac, voilà. Tu t'es équipé de quoi, Barry? Même chose que d'habitude, bouquin, caméra. D'accord. Chou, tu as un thermomètre. Oui, un thermomètre. Donc je prends le même œuf. J'ai aussi le même œuf, mais je prends toujours les deux. Moi. Ça sert à rien de prendre les deux. Tu peux pas utiliser les deux en même temps. Au lieu de prendre un appareil photo, comme ça, si tu tombes sur un fantôme ou un truc qu'il faut prendre en photo, tu piques. Tu cliques et tu cliques et y a pas de bug. Allez, c'est parti! Allons-y! Je vois rien. Allume ta lumière? Oui. C'est une bonne idée. Ah, bon bah voilà. Quel beau perronné! Comment qui reconnaît les parties du corps, putain? Porte déjà ouverte ici. C'est pas très rassurant. Ah ouais, c'est l'histoire de ne pas tomber sur un os, faut savoir sur quoi on marche. Oh, je sens je sens qu'on est bien parti pour une petite cave là. Je sens qu'on est bien parti pour une petite session à la cave. Allez. Et la poupée vaudou. Comment ça marche? C'est pas le... Non, non, fais pas le con, Martine. Je le ferai ça marche plus tard. Tu touches pas à la poupée vaudou. Elle est entrouverte cette porte ou c'est une impression? Je toucherai, mais après en solo, comme j'ai fait pour l'autre coup. Pour Orbe. Ah, on a trouvé Chou. Enfin, on a trouvé l'endroit. Dans la salle de la chambre au fond à gauche. La chambre des parents. Une petite tentative de... Voilà. L'autre côté. Là. Ah. Hey. Je sens qu'il y a un fantôme ici. Bah, il y a l'arbre fantomatique. Ah oui. D'ailleurs, arbre fantomatique, le mettre dans l'épreuve. Oui, ça serait bien. Est-ce que dans mon jutsu de photo, il y a eu quelque chose? Os, rien. Bon, d'accord. Rien. Ragamaziel. Bon. Je vais poser des petites choses sympathiques dans la dernière pièce. C'est-à-dire un crucifix et du sel. Faut quoi? Bâton d'encens. Ah, j'ai entendu de l'EMF. De l'EMF? Ouais, j'ai entendu de l'EMF. Je l'ai dans la main, donc non, il a pas sonné, l'EMF. Ah! Ça, par contre, ça vient de bouger. Ah, EMF 3. Il a marché dedans. Ah merde, y a plus de... là, on est 3 dans la pièce, hein, Chou. Maintenant, on est 4. Maintenant, on est 3. Enfin, vous êtes 3. Au revoir. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Bon, je me vois coincé, moi. C'est la SNCF, ça. Je sais. Voilà.
Effectivement, il y a une trace d'empreinte dans le sel. Oui, je l'ai pris en photo. Ok, c'est cool. Bah, il y a un dot ici que je vais emmener. Ouais. Puis j'en ai le deuxième, tant qu'à faire. Ah, pop. Bah, boîte à papote. J'ai ici juste des photos que t'avais pris. Pas y'a rien. Ah, le bâtard, il a fait une apparition. Un peu échappé aux fantômes pendant une chasse. Putain, en tout cas, je confirme, c'est la chambre vu que le. Le machin, il a fonctionné, le bâton d'encens. Ah, température glaciale. Oui, ou putain, oui. Moins 3 degrés. Ouais, bah, oui, bah, température glaciale, oui. J'ai dit la température glaciale. Oui, bah, j'ai dit oui, température glaciale, c'est bon, t'as pas besoin de faire tout le. Ah, vous avez laissé seul avec là? Oui. Oui, tu vas aller jouer avec la poupée? Non, oui. Avec le. Elle est où la poupée? Boss de papote. Dans l'autre chambre en face. Oui. Mais attends que Barry soit sorti pour l'utiliser. Quel âge avez-vous? Ok. Spirit Box. Bon, ok, c'est un. Hold. Bah alors, écoute, tu sais, alors attends, Chou, avant de toucher, t'es à 55% de santé mentale, comme on a les objectifs qui sont accomplis. Je te propose, tu viens reprendre une petite dosette de. On reprend chacun une dose de médoc et on fait mumuse avec la peluche. C'est quand tout le monde meurt, non? On en est au niveau indice. Bah, on a les trois. Température glaciale, orbe fantomatique. Ok, c'est un Orion. Oui. Chou, je t'amène des médocs, bouge pas. Alors, globalement, Chou, pour t'expliquer, la poupée, c'est très simple. Tu la prends en main, t'appuies sur un petit gauche, et ça enfonce les aiguilles. Ouais. Et si c'est sur le cœur, bah t'es mort. Ah bon? Parce qu'il chasse. Petit cadeau. Ah. Merci. Je prends le risque. Tu veux essayer? Je vais essayer. Ah. Vas-y. Alors. Et là, clic gauche, t'as dit, hein, c'est ça? Allez. Bouge pas, sinon j'ai pas le truc en caméra. Vas-y. C'est bon? Vas-y. Le nanoï. Le cœur. T'es mort? Non. Moi, oui. Aïe. Ah, la voix de tonton. Non, je suis toujours là, hein. Tu peux continuer. Oui. Bouge plus, vas-y, clique. J'ai entendu râler, mais je le vois pas, le fantôme. Ah, bon. Alors, tu me dis quand tu revois, c'est bon? Vas-y. Ah, ça fait vibrer. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Non, je suis un peu dépité. Ouais, moi aussi. Bon, bah, je reprends. Bon, j'ai tué Choc. Ouais, tu m'as tué. Comme d'hab. Pour le coup, je ramène un petit souvenir. Oui. Enfin, j'en ai déjà ramené un, j'en ramène un deuxième. Tu as 1%. Oh, le bâtard, il attaque! Bah ouais. Ah, mais Choco, t'es mort. Oui. Est-ce que tu peux me faire plaisir? Prendre un bâton luminescent. Tu le craques devant le lapin, devant là. Bah, je lui montre alors qu'il ne voit pas. Voilà. Puis du point où tu prends. Non, mais t'inquiète. Puis tu le prends en photo. Ok. Enfin, pas en photo avec l'appareil photo, en photo capture d'écran. Ouais, avec un gazo. Là, comme ça, le bâton lançant. Ouais. Luminescent. Ouais. Voilà. Merci. Je t'envoie ça juste après.
Et je suis toujours en vie. Eh ben non, justement, je te tue dehors. Ah. Ouais, c'est dommage qu'il n'existe pas un mode où le joueur peut incarner le fantôme. Et ça s'appelle Dead by Daylight. Oui, voilà. Incarner le fantôme, j'ai dit. Bah oui, et tu ferais quoi? Tu chasserais les enquêteurs. Donc tu chasserais les survivants. Ouais. Donc tu serais... Et puis tu essaierais de les buter. Ouais. Donc tu serais comme là, un... Il n'y a pas de générateur. Il n'y a pas de générateur. C'est encore pire pour les survivants, en fait. Bon, bah on peut y aller, les gars. Hein. On a un Rio de marqué pour tout le monde, normalement. Ouais, c'est bon. Et on a un portrait de chat, ici, qui est près de la lampe, très bien, de l'autre côté. Bon, la fête est finie. On rentre à la maison. Enfin, moi, je rentre dans mon caisson. On va finir par croire que je joue un vampire. Le mimique. Comment ça, le mimique? What? Ah, bâtard. Enfin. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors là, je comprends pas. Oh, le mimique, attends.